En quelques années seulement, Les Princes de l'Amour est devenu un programme phare de W9. Si les fans sont toujours au rendez-vous, la production a souhaité pimenter sa 8e saison, diffusée depuis lundi 30 novembre 2020. Auprès des stars de télé-réalité habituelles, les téléspectateurs ont ainsi pu faire la connaissance de Mathias Lamary. Originaire de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, le jeune homme de 23 ans est venu en tant que simple prétendant. Cependant, si est-il lors de sa venue sur le tournage qu'il lui a été annoncé qu'il jouerait le personnage de Mathias le millionnaire. Lors de son arrivée dans la villa, alors qu'on lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie, si est-il du tac au tac que le jeune homme a répondu, je fais rien, je chill. Ça promet. Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs, Mathias Lamary a accepté de révéler ce qu'il faisait vraiment dans la vie. Avant d'être contacté pour Les Princes, je travaillais comme agent d'accueil au musée d'Orsay. C'était un job d'été. De base, je travaille en boîte de nuit. Mais avec le confinement, elles sont toutes fermées depuis mars donc ces derniers mois, a-t-il expliqué. Avant cela, le jeune homme s'était orienté vers un CAP coiffure avant de changer d'avis après un an de formation. Il a ainsi expliqué, je me suis réorienté sur un travail en tant qu'animateur avec des enfants. Puis, on m'a proposé d'être agent d'accueil au château de Versailles. Je l'ai fait pendant un an. Puis un ami qui bossait en boîte de nuit m'a proposé de le rejoindre. Et voilà. Si le jeune homme avait déjà été contacté pour participer à la Villa des Cœurs Brisés, il avait préféré refuser étant donné qu'il était en couple. Puis j'ai rompu avec ma petite amie, j'étais célibataire. Quand l'opportunité de faire Les Princes de l'Amour cesse de présenter, je me suis dit que je n'avais pas grand-chose à perdre. Je sortais d'une relation compliquée, je n'étais pas forcément prêt à trouver l'amour. Dans la vie j'aime bien faire la star même sans l'être pour Télé-Loisirs, Mathias Lamary a assuré ne rencontrer que des femmes intéressées par l'argent, les belles choses, la notoriété sur Instagram, etc. J'étais bloqué là-dessus, j'avais besoin de voir si je me faisais des films ou si c'était vrai. S'il n'est pas millionnaire, il est heureux de jouer ce personnage. Ce rôle me correspond. Dans la vie, j'aime bien faire la star même sans l'être. Je traîne avec des gens qui ont de l'argent donc je connais leur comportement. Je n'avais pas peur de me faire griller. On m'a demandé de jouer mon rôle en quelque sorte. Sauf que je n'ai pas de millions sur mon compte en banque, a-t-il révélé avant de révéler qu'il souhaitait rencontrer une fille qui n'est pas superficielle, attentionnée et surtout, investie dans la relation. Interrogé sur son style de femme, il a expliqué, Kylie Jenner, si estime mon style de femme physiquement. Après, je ne la connais pas dans la vie.